Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Il est écrit dans le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il faut restaurer ton fondement. Les pouvoirs de famille vont te rattraper un jour. Tes parents ont dressé des hôtels sataniques, des alliances démoniaques. Chrétiens, chrétiennes, levons-nous, retournons à l'Éternel des armées. Par la restauration de nos fondements, par la repentance. Fondements. Restauration des fondements. Fondements. Restauration de nos fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Veux-tu voyager chrétien? Veux-tu voyager chrétien? Veux-tu te marier? Veux-tu être prospère? Il faut restaurer ton fondement. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Femme de nuit, on te poursuivra dans les songes et les rêves. Il faut restaurer ton fondement. Tu mangeras la nourriture dans les rêves. C'est le début de l'initiation à la sorcellerie. Il faut restaurer ton fondement. J'ai soutenu le de l'Éternel des armées. Mes fondements m'ont rattrapé et m'ont conduit à la Mada, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est en prison que l'Éternel s'est révélé à moi. Il me dit, prends la parole, prends ma parole. Le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel m'a fait sortir de la prison. Il m'a redonné le travail. Après la restauration de mes fondements par son enseignement. Fondements. Bien-aimés, frères et sœurs, quels sont les fondements sur lesquels vos villages ont été bâtis? Les adorations des eaux, des montagnes, des forêts sacrées, des masses, des fétiches. Bien-aimés, chrétiens, chrétiens, levons-nous, faisons la repentance, afin que ces pouvoirs de famille ne nous rattrapent pas. Comme mes pouvoirs de famille m'ont rattrapé et m'ont conduit en prison, mes gloires sont rendues à l'Éternel des armées. Parce que maintenant, frères et sœurs, nous venons de partout. Et nous nous rencontrons maintenant pour la restauration de nos fondements, pour le brisement des liens ancestraux. Car Lamentations 5, verset 7 nous dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Oui, le rocher sur lequel tu as été tiré, regarde, tu viens de quel village. Veux-tu prospérer? Veux-tu voyager? Te marier? Vivre longtemps? Il faut restaurer ton fondement. Restauration des fondements. Fondements, fondements. Restauration des fondements. Fondements, fondements. Il est écrit en 2 Corinthiens 5, verset 17. Lorsque nous venons à Christ, la vie ancienne est passée et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien à mes frères et sœurs, les différentes situations que vous traversez maintenant, est-ce que réellement les choses anciennes dans votre vie sont passées? Est-ce que votre vie est devenue une nouvelle vie? Je voudrais vous dire que vos fondements vous ont rattrapé dans l'église. Il faut retourner à l'Éternel, car la Bible nous dit,
Dans Acte 17, le verset 30. Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Nous appelle toi et moi que nous fassions la repentance. La repentance conduit à l'éternel et ouvre les écluses des cieux. Repentons-nous, car la restauration des fondements, au-delà de la réalité, est une vérité biblique. Repentons-nous, la restauration de nos fondements. Puisque les fondements sont restaurés, voici le temps de la ville, la danse de David.